This year's prize is about something very small that makes all the difference. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2013 Nobel Prize in Physics to Professor François Englert. University Libre in Brussels, Belgique, and Professor Peter Higgs at University of Edinburgh. Madame, Monsieur, bonjour. Ce mardi est un grand jour pour la Belgique. François Englert vient de recevoir le prix Nobel. C'est une première. Un chercheur belge vient de décrocher à Stockholm le prix Nobel de physique. François Englert a été récompensé. Bonjour, l'intrépide François Englert. François Englert. François Englert, qui avec deux autres physiciens, Robert Braut et Peter Higgs, a mis en évidence une particule élémentaire appelée boson. Et il est pour l'instant attendu au cœur même de son université, l'ULB. Je suis content, évidemment. Hein, ça ne peut pas être triste, ça, donc c'est très agréable d'être reconnu par un prix aussi prestigieux pour un travail qui a été fait et qui a été fait avec mon ami, malheureusement décédé, Robert Braut, avec qui nous avons commencé et achevé d'ailleurs ce travail au début des années 60. Au départ de la théorie, au départ d'un travail de l'intelligence, on finit par déterminer qu'il y aura quelque chose et il faut attendre 50 ans pour pouvoir voir avec quel instrument exceptionnel comme le CERN. J'étais persuadé, comme je n'avais pas de coup de fil, j'étais persuadé que je ne l'avais pas. Alors on a décidé ensemble que, on allait tout de même faire une fête et comme mes petits-enfants trouvent que je suis le meilleur que je suis le meilleur en ce qui concerne la préparation des toasts aux bananes, qu'on allait me décerner le prix des toasts aux bananes, etc. Et puis alors les choses ont changé. Thank you.
sentiment est que l'ensemble de la communauté universitaire est très très heureuse d'avoir pour collègue François Englert, et donc ce que nous montre un certain nombre de prix Nobel et ce que nous essayons de faire à l'Université de Bruxelles, c'est d'offrir à chacun la confiance qu'il mérite et donc une totale liberté dans sa recherche.